Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue sur notre troisième épisode sur Sea of Stars. La dernière fois, nous nous étions laissés après le combat, donc qui était le combat final après l'épreuve de l'ancêtre de la brume. Nous avions passé sans trop de difficultés cette épreuve. Et donc nous avions appris à utiliser de la magie, sans faire de la magie, qui était en fait du mana, qui était donc les petites sphères que l'on récupérait en tapant les adversaires. Et donc nous avions mené à bien cette épreuve, et il fallait maintenant nous rendre de nouveau, je crois... Je sais plus s'il faut continuer au nord ou il faut retourner voir notre ami. Retourne au village, mais on retourne comment au village, tu vois? Ah, mais. Aron passe. Voilà, tout simplement. On se casse. Retournez au sentier de la montagne. Tout à fait. Hey, wake up! Bonjour, l'heure est venue de commencer votre périple. Bonjour, mais on est au beau milieu de la nuit. Ah oui, je suppose que vos amis peuvent régler ça. Régler quoi? Apportez-nous l'aube. Nous pouvons faire ça? Ouh, il vous suffit de vous tenir sur une rune céleste. Et ensuite? Quelque chose en vous le sait déjà. Par ici, je vous prie. Nous allons pouvoir contrôler le jour et la nuit. Maintenant, concentrez-vous et apportez-nous l'aube. Utilisez R2 et L2 tout en vous tenant sur des runes célestes pour changer l'heure du jour. Comment c'est possible? C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Cette partie est toujours plus facile en se jetant simplement à l'eau. Durant vos voyages, vous trouverez parfois des mécanismes et des seaux alimentés par des runes magiques qui réagissent selon le moment de la journée. Ils ont été placés par les guerriers du solstice qui vous ont précédé. Certains dissimulent des artefacts destinés à aider les futurs membres de l'ordre comme vous, tandis que d'autres enferment des êtres maléfiques trop puissants à combattre. Mais c'est vous, et seulement vous, qui déciderez de chercher ces artefacts et défis. Ah, là ça m'intéresse. Là ça nous intéresse. Votre périple peut commencer maintenant. Retrouvez-moi de l'autre côté de ce gouffre. Comment fait-on pour traverser? En utilisant vos pouvoirs, bien sûr. Retrouvez-moi de l'autre côté. Et en cadeau d'adieu, je vous dirai ce que j'ai lu dans les brumes du temps. Essayez d'utiliser le cristal pour charger la rune. La rune plus petite sur le sol au-dessus, et voyez ce qui se passe. Oh. Je vais juste voir s'il y avait un truc. Oui, il y a des choses. C'est très très cool comme mécanique. Alors je suppose du coup que oui, effectivement, ça influera aussi sur les ennemis qu'on croise. Ah! Mais dis donc, ça nous parle ceci. Montons de l'île d'Éterbrume. Pardon. Ouh! Êtes-vous prêt à être envoyé dans le monde? Oui! Dans ce cas, l'heure est aux adieux. Mais d'abord, vos prophéties. Je vous les transmettrai directement par la pensée, car elles ne regardent que vous. Zael, approchez. Afin d'atteindre tout votre potentiel, vous devrez d'abord regarder la nuit qui est en vous.
Merci, ancêtre de la brume. Valer, approchez. Quand le moment sera venu, vous serez capable de créer des chemins sur l'eau. Ok. Compris. Garde. Pour moi aussi. Génial. Faites bien attention à vos limites pendant ce périple. Compris, ancêtre de la brume. Ce n'est pas une conversation, Garde. Oh, pardon, continuez. Les brumes ne sont pas claires dans votre cas, mais il semble que votre cœur pourrait être suffisamment chaud pour apaiser une âme depuis longtemps tourmentée. Ok, je ferai de mon mieux. Vous avez appris tout ce que je pouvais vous enseigner. Je vous envoie à l'île du Dormeur. Votre destin vous fera rencontrer un équipage prêt pour l'aventure. Liez-vous d'amitié avec eux, et ils vous aideront à rejoindre l'île au spectre avant la prochaine éclipse. Pour activer ce géant, donnez-lui le nom de Ixtol pour être envoyé sur l'île du Dormeur. Pour revenir ici, allez simplement voir Ixtol et prononcez le nom de ce géant qui est... Ixtol ! Cool ! Oh le con ! Eh bien, j'imagine que nous n'allons pas nous revoir de sitôt. Non, attends! Se faire envoyer sur l'île du Dormeur, succès déverrouillé. Et donc l'île du Dormeur qui est... Ah, retour aux archives. Et c'est ainsi que Zeil et Valère débutèrent leur périple, en compagnie de leur meilleur ami, le cuisinier guerrier. En chemin pour rejoindre l'île Rospectre à temps pour l'éclipse, ils seraient bientôt confrontés à deux magiciens très puissants. Un assailli par la colère, l'autre dépourvu de vie. Wouhou ! Et donc... Sérieusement, c'était Nantas! L'ancêtre de la brume ne plaisantait pas. Quel périple! Qui aurait cru que le monde était aussi vaste? Bon, et maintenant? On cherche un bateau, je suppose. Redescendons dans ce cas. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait d'autre choix. Et donc, cette séquence-là est la séquence disponible dans la démo. Mais donc, si vous êtes là, je suppose que vous avez déjà testé la démo ou que vous avez peut-être regardé ma vidéo sur la démo. Là, on fait des choses qu'on connaît déjà, mais il y a peut-être des petites subtilités et notamment une caverne que j'ai oublié d'aller visiter. Par exemple. Je crois que d'ailleurs dans la démo j'avais pas vu la première fois. Il y a un coffre normalement ici. Vous avez trouvé anneau de mage du solstice. Les membres du groupe récupèrent un PM lorsqu'il part au bon moment. C'est très fort, on va donner ça à Valère. Très bon objet. Faites bien attention dans votre équipement, les objets que vous récupérez. Généralement il y a un petit icône à côté. Parce que j'ai vu, je suis allé voir par curiosité des gens qui lançaient le jeu. Oh, il y en a, ils savent pas lire en fait. Hein. Il y en a, ils voient la moitié des infos. Et donc, effectivement, juste attention à petit symbole qu'il y a. Donc, quand c'est un bouclier, c'est une armure. Quand c'est un petit anneau gris, c'est un objet, donc un accessoire que vous pouvez équiper. Si c'est un espèce de truc jaune, c'est un accessoire pour l'ensemble du groupe. Et du coup après il reste les objets et notamment les objets comme ceci qui seront représentés par des joyaux, enfin des gemmes dorées qui sont des objets à revendre. Légèrement c'est précisé, il suffit de lire. Enfin bref. Reprenons et redécouvrons et revérifions si il n'y a pas des choses qui ont changé dans cette petite zone. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a plus de choses à cueillir. Là il faut descendre. J'ai pas réussi à les prendre, c'est dommage. Carrément. On est parti pour l'attaque Big Bang.
me reste un PV, un PV. Oh la blague. Six points d'XP. On va prendre le temps de bien réexplorer la zone. Faudrait que je fasse la comparaison du coup avec la démo, voir s'ils ont rajouté des choses, hein, vraiment. Même dans les décors. J'ai pas souvenir que c'était, il y avait autant de trucs. Oh là, une belle vue. On récupère plein de choses pour manger. Oh, un coffre. Vous avez trouvé conque arc-en-ciel, ça doit se revendre ça. Même pas. À quoi ça sert? Pourrait bien intéresser un collectionneur. Ouh. Pas bien. C'est pratique ça. Normalement. Ninja. Mais on n'avait pas accès à la map de cette région. On était directement tout en bas, donc il y a des choses en plus. Ok. Effectivement, il y avait une transition qui était faite dans la démo à partir de là. Nous sommes dans les Landes. Nous avons des choses à cueillir. On va attaquer. Ils ont combien de PV? 35. Ah non! C'est pas. Ah, j'ai fait trop tard. Trop tôt ou trop tard, je sais pas. Il résiste. Pour combien de temps? Ah bah merde. Ça fait que dalle. Invocation. Quoi? Quoi? Ah ouais! Il faut appuyer. Est-ce qu'il faut appuyer quand ils sortent? Ah, c'est chaud comme timing. Putain, évidemment. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas réussi. Ah, par contre, ça donne de l'XP, c'est cool. La surface a l'air fragile. Elle pourrait se casser si on sautait de très haut. Regarde s'il n'y a pas un coffre caché, un petit endroit secret. Oh là là, oh là 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 là! C'est le genre de petit détail qui fait plaisir. La cueillette. Est-ce que
ça valait la peine. Des champis! Putain, on aime les champis! On va voir ce qu'on peut faire. Parce que, ah oui, en plus, on a débloqué des recettes avec les champignons. Ok, très cool. Très très cool. Alors attendez, il faut que je regarde quelque chose. Oups. Ok, ok. Ennemis. Tout ce qui bouge, c'est des... Alors... Pas de compétences, pas de compétences. Vulnérable, parfait. Ah. Je sais pas si on peut faire des critiques sur les soins. Dommage, je peux pas revoyer correctement. Briser un total de 50 verrous en combat. Verrou va-t-on? Oh, le jeu de mots, magnifique. Verrou va-t-on? Mais ça fait déjà 5 succès. La cueillette. Ah, attendez. J'ai cru que c'était une petite grotte cachée. Non. Le temps a rendu les runes indéchiffrables. Pour l'instant. Ah putain, ils viennent tous. Alors, ce qu'on va faire, hein? Non, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oh la vache! Magnifique, on a dépassé 30. Là, par contre, ça rapporte. Hein. Du lait, des œufs. Quelque chose pour péter ça à tous les coups. Sway. Je peux esquiver les mods, mais il y avait un coffre qu'on a bien fait. Vous avez trouvé ceinture de puissance. Augmente plus 4 la force. Ben, on va mettre ça à Zayl vu que les gens sont globalement au même niveau. Oula. J'ai réussi à rater mon combo, c'est chier. Ok. Attaque Big Bang! Nice work. Ah, pas suffisant. Thank you.
Nickel. Bientôt level up. Toute la bouffe qu'on a. Ok, il va falloir sauter. Attendez. Mais non, il n'y a pas de bon choix. Ah, la rune elle dit quoi? Non, on peut pas la lire. Oh, sérieux? Oh, le timing va être dégueulasse. Ouais, je le sentais. Et évidemment, il manque un PV. Hein. Du poil 12, nickel. Parfait. Wouah la vache. Et level up. Son Luna lui machin là, il faut vraiment le booster. Hein. Attaque physique. Ouais, pourquoi pas, sinon après défense magique, t'es déjà 13 plus 3, ouais. Tu pourrais tanker. Qu'est-ce qu'il a besoin en vrai? Il a encore plus de PV, vas-y. Remonter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le crâne? Non. Ils étaient en train de se battre, au final non. Waouh, ok, j'ai fait beaucoup trop tôt. Je peux pas pousser ça. Pas interagir, il me manque un truc, donc sûrement un personnage particulier pour avoir ça. Le coffre a l'air intéressant, mais c'est peut-être un coffre de collection. Ça a l'air d'être un coffre de collection. Ok. Oh, le petit saut dans l'eau, trop bien. C'est rare d'avoir des jeux comme ça où tu peux nager. Ouais, plus tard c'est sûr, on pourra looper ça, déplacer ça. Mais nous allons nous reposer au camp après avoir cueilli. Alors je vais faire un peu de place.
On a beaucoup de choses là qu'on peut cuisiner normalement. Tout ce qu'on a ramassé là. Ah, les animations elles sont vraiment cool. Sandwich à la viande, parfait. Je peux encore en faire d'autres. Je vais en faire un deuxième parce que ça rend quand même 60 PV. Boulet de champignons. Oh oui, très bien ça. Je veux voyager de nouveau dans l'orbe. L'air est tellement agréable ici. Jamais on trouvera un bateau à cette altitude. Il doit y avoir un moyen de descendre. Nous devons atteindre l'île au spectre à temps pour l'éclipse, où que ce soit. Rien de nouveau. Un de nouveaux horizons. Orphée. Ok. Nous allons nager un peu. En soi, il n'y avait pas forcément besoin, mais... On profite. Parce que c'est bien foutu, mine de rien. Regardez-moi ces éclats, là. Oh, quel pixel art de qualité. Alors, l'orbe solaire, visiblement, sur eux, ça marche plutôt bien. Donc, on va pas se gêner. Attendez. On va d'abord faire ça. Tu montres une grande zone après, je me dis il y a peut-être un... C'est ce qui va se lancer. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Des champignons, encore un trou. Est-ce qu'il faut être gourmand? On y va. Est-ce que ça va passer? Sait-on jamais? Yes! Nickel. Un petit coffre aussi. Non, c'est vraiment que des champignons. Après, les champignons, on a vu, la poulet de champignons rend de la vie et de la magie. S'il y a un coffre. Il y a un coffre. Épée en argent. Ouh. Oui, il y a des nouvelles compétences qui arriveront plus tard. Épée en argent. Très bien. On va voir si elle change. Je pense pas que... Je vais pas souvenir que le design change. Dans la démo, est-ce qu'on avait d'autres armes? Je crois qu'on avait possibilité d'acheter des armes. Je sais pas si le design change. Ah, un petit peu. Ah oui, elle change de couleur au moins. Non? Si, je crois qu'elle change de couleur. C'est lui, hein. Non! Down.
Alors je sais qu'il y a un objet hein, qui permet de mieux voir les timings. J'ai pas forcément envie d'utiliser. J'aime bien le côté où tu essaies d'apprendre les patterns quoi. Qui nous permettra de nous téléporter ici. Ça sent le portail hein, de téléportation. Il y a quoi ici? Des choux. Des salades. Des laitues. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Évidemment, tu me remets de l'eau, moi j'y vais. Couvercle en pierre. Ah! Petite caverne. Ok. Rien de caché. Non. Surprise, voilà, parfait. On va faire ça. Attention, grenade! Oui, ok. Ça, faut pas que je me loupe, là sinon y en a qui tombent KO, je pense. Yes! Ah, dommage. Il y a un coffre ici. Je regarde, il n'y a pas possibilité de passer par là. Non, il n'y a rien. Non. D'accord, je peux pas escalader. Il n'y a rien pour escalader. Non. Je connais votre point faible. On attaque Big Bang! Ça dit avant-poste des bâtisseurs, lac de pêche. On va peut-être aller au lac après. D'abord récupérer le coffre, si possible. Oui. Recette soupe de champignons. Ah bah nickel. Parler d'un lac de pêche, j'y vais. Hein. Clé du vent. Alors déjà un truc. Non. Ouais. Thank you.
plus petit celui-là. Allez, 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 allez. Non, là c'était pas bon. Pas si j'arriverai à avoir d'autres poissons ici. Ils ont l'air d'avoir le... Ah, attendez. Attendez. Non, il y a un troisième type de poisson. Si, 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 on l'a vu là sur la droite. On a le petit, on a le truc avec les espèces de nageoires longues, enfin, multiples, mais il y en a un autre. Il y en a, encore un autre type, il y a encore un autre type. Si j'en vois là-dedans, ça va pas le faire. Putain, évidemment, il se barre. Voilà, celui-là, on l'a pas eu encore. Si, 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 tu viens là. Tu viens là. Yes. J'ai attrapé un aigle fin de prairie. Regardez, il y a quelqu'un là-bas. Oh. On devrait demander notre chemin. Elle a l'air occupée. Bah, je suis sûr que c'est bon. Bonjour, ce gros rocher a quelque chose de spécial ? Oui, viens voir ça. C'est... On dirait... Non, ça doit être mon imagination. Alors, c'est quoi ça? Fascinant. Voilà ce que c'est. Ces runes sont la forme d'écriture la plus ancienne que nous connaissons. Qui ça, nous? Les historiens itinérants, bien sûr. Ou du moins, ce qu'il reste de nous. C'est pas vrai, tu es une historienne itinérante? Ravi de te rencontrer, je m'appelle Garl. Ravi également, je m'appelle Tix. Alors tes amis sont toujours aussi silencieux? Non, Zay et Valère sont juste restés enfermés à étudier dans le ciel pendant trop d'années. Magique? Des vêtements enchantés? Vous êtes des guerriers du solstice. Je le savais.
des esprits aventureux, redoutables au combat, et à découvrir d'innombrables artefacts oubliés. Destinés à résoudre des mystères inconnus et à découvrir d'innombrables artefacts oubliés. Les meilleurs amis d'une historienne itinérante. Je veux dire... Eh bien, quel enthousiasme. Et nous qui pensions que Garl était survolté. Eh les amis, Tix a une offre à nous faire et je pense qu'elle vaut le coup. Bien sûr, c'est quoi? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer correctement. C'est à propos de mon livre. Et si tu mangeais avec nous ce soir, Tix? Cet endroit est parfait pour établir un camp. Oh, eh bien... Ne sois pas timide, nous serions ravis de t'inviter. Ouais, et puis il faut que tu goûtes à la cuisine de Garl. Je... Ok, merci. Et voilà, un ragoût, hein. Encore merci pour le repas, Garl. Tu es un cuisinier hors pair. Content que ça te plaise. Tu peux te joindre à nous quand tu veux. Alors comme ça, tu es la dernière historienne itinérante. À ce stade, je pourrais tout aussi bien être la première. Il s'est passé tellement de temps depuis que tous les grimoires de légende ont été brûlés. Les quoi? Les grimoires de légende. Chaque historien itinérant en a un. Ou en avait un, je suppose. Ce sont des livres enchantés qui s'écrivent tout seuls en touchant des artefacts liés à des histoires. Waouh! Le devoir d'un historien itinérant est de remplir son grimoire de légendes le plus possible avant de le transmettre à une nouvelle recrue. Avant, nous étions nombreux et nous formions une guilde. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Ce qui m'amène à ce que je voulais vous demander. Vas-y. Eh bien, la meilleure chose qu'un historien itinérant puisse espérer est de trouver des aventuriers qui en repèrent. Je n'ai aucun moyen de vous payer en retour, mais si vous récupérez des artefacts durant vos aventures, je serai ravi de partager quelques histoires avec vous. Ça peut être sympa, mais comment on te trouvera si tu voyages tout le temps? Ne vous en faites pas pour ça. Je passerai vous voir à votre feu de camp quand vous dormirez à la Belle Étoile. C'est le cadre idéal pour raconter des histoires. Des histoires au coin du feu? J'en suis. Parfait. Alors apportez-moi les artefacts que vous trouvez et nous verrons comment réagit mon grimoire de légende. Combien d'histoires tu as déjà? Juste une. Il était vide quand je l'ai trouvé, mais ce n'est pas plus mal. Ça ne me fait que plus d'histoires à découvrir. Bien dit. La première histoire s'est écrite toute seule quand je suis tombé sur une vieille boucle d'oreille de pirate. C'est là que j'ai compris que j'avais trouvé un vrai grimoire de légende. On les croyait disparus. De quoi parle l'histoire? D'un vaisseau pirate fantôme appelé le Vespertin. Si vous voulez que je vous la lise, demandez-moi. Non. Je ne savais même pas que les historiens itinérants existaient. Je me demande combien il y en avait. L'histoire au coin du feu, j'en suis. Eh, vous voulez entendre une histoire? Oui. Laquelle? Le Vespertin. Moment lecture. De tous les maléfices et enchantements connus, peu sont aussi épouvantables que la malédiction du Vespertin. Cette histoire se déroule il y a des siècles, à l'époque où une certaine bande de pirates régnait sur les mers. Son capitaine, un dénommé Stormcaller, était le mage de vent le plus puissant que ce monde n'eût jamais porté. Et encore aujourd'hui, aucun autre marin n'est plus futé que Hortense, sa navigatrice. Avec les compétences d'Hortense et la magie de Stormcaller, on dit que leur navire était plus rapide que la lumière. L'équipage enchaîna les aventures et accumula d'innombrables richesses, jusqu'au jour où l'inévitable se produisit. Hortense, dont l'amour pour la musique était plus fort que tout, annonça sa retraite de la vie de pirate pour se consacrer désormais à son art. Convaincu que le vrai trésor était celui que l'on trouve en chemin, Stormcaller prit son départ comme un véritable coup de massue. Profondément insulté, il cessa de faire souffler le vent dans les voiles et immobilisa le navire au beau milieu de l'océan. Il lança alors « On restera ici jusqu'à ce que notre navigatrice se sorte cette foutue idée de la tête. » Cependant, Hortense avait déjà pris sa décision. Les jours passaient, mais tous deux boudaient dans leur coin, aux grandes dames de l'équipage qui les suppliaient de trouver un terrain d'entente. Ils vinrent alors à manquer de patience, puis de nourriture, et enfin d'eau potable. Et un beau jour, après le coucher du soleil, les pirates,
rendu fou par la faim et la soif, se mutinèrent et firent subir le supplice de la planche à leur capitaine. Alors qu'ils sombraient dans l'abîme, Stormcaller maudit son équipage en invoquant une prison éternelle. Au milieu de la mer des cauchemars, il déclencha une tempête dévastatrice que ses anciens compagnons allaient subir pour l'éternité. Au fil des siècles, les terribles conditions firent perdre la raison aux membres de l'équipage et seule Hortense y survécut. Aujourd'hui encore, la bataille opposant Stormcaller et sa haine à la volonté de fer de la navigatrice fait toujours rage dans la mer des cauchemars. Certains racontent que le courroux de Stormcaller finira par faire sombrer le navire, tandis que d'autres pensent qu'il s'inclinera face à l'indomptable Hortense. La légende raconte qu'elle profite d'un moment de répit chaque jour, mais seulement quelques secondes, à l'heure précise où la malédiction fut autrefois lancée. D'innombrables marins et pêcheurs ont depuis signalé l'apparition du légendaire navire pirate, fantôme au crépuscule. On l'appelle le Vespertin. Même si certains songent à monter à bord en quête de trésors, la plupart évitent de naviguer au crépuscule de peur de se faire engloutir par la mer des cauchemars. Fin. Et ben ça c'est top. Et donc en fait ces histoires-là nous permettent de potentiellement nous parler en fait de quêtes annexes ou peut-être quêtes principales, qui sait. Cuisiner, non je ne peux plus cuisiner, donc on va se reposer. Bonne nuit les amis. Donc voilà, et donc faudra de temps en temps aller lui parler puisqu'elle nous permettra de visiblement découvrir de nouvelles choses. Un bateau pour se rendre sur l'île au spectre? Ça risque d'être compliqué vu l'état de l'ascenseur. Je trouverai sûrement un moyen. Dans quelle direction est-ce? À l'est, en suivant le chemin. Je peux vous accompagner? Nous allons dans la même direction. Plus on est de fous, plus on rit. Tix, rejoins l'escorte. Bon, elle est là en tant qu'escorte. Hein, en tant qu'escorte, je veux dire, elle est là pour... Elle est là pour le groupe, quoi. Picotement de magie ancestrale et perceptible, comme si elle avait quasiment disparu avec le temps. J'ai presque envie d'aller... Putain, il y avait une rune au début de la zone. On y retournera. De toute façon, je pense qu'on aura la possibilité de refaire ces zones. On a vu, il y a des petits trucs à venir récupérer. Alors... On va tous les défoncer, ceux-là. Attaque Big Bang! Ici. Il y a trop de trucs, on va faire d'abord ça. C'est bon. C'est une question de rapidité. Oh, un parchemin. Nickel. Zayl et Gal ont appris la compétence combo ondes solaires. Ça fait quoi? Inflige des dégâts solaires à tous les ennemis. Ah, mais je crois qu'elle l'est dans la démo aussi. Pourfu. C'est bien.
C'est la belle vie. Il veut pas se taper? Ils sont devenus gentils de nuit? Ça se passe quoi là? Ouais, du coup on reste de nuit. Avant-poste des bâtisseurs. L'ancien n'est pas revenu. Malcomut va tous nous tuer. Courez. Qui êtes-vous? Vous êtes pour nous sauver? Eh bien... Bien sûr, ce sont des guerriers du solstice. Garde! C'est vrai, non? On pourrait les aider si on peut. Que se passe-t-il? C'est Malcomud, le magicien de l'élémentaire de terre. On est juste un petit avant-poste paisible et on s'occupe des tunnels devant de la mine. C'est notre travail de faire en sorte qu'il ne soit pas obstrué pour que le vent puisse jouer sa mélodie pour le dormeur. Mais Malcomud s'est emparé des mines, alors on ne peut plus y aller. Et si le dormeur se réveille, ce sera la fin du monde. En plus, il a bouché le tunnel alimentant le moulin du grand ascenseur, pour nous empêcher de demander de l'aide à Brisk. Si ça continue, les sbires de Malcomud vont sortir des mines en masse et... Tout va bien, on va vous aider. Que s'est-il passé ensuite? L'ancien est rentré et entré pour essayer de l'arrêter, mais ça fait longtemps maintenant. Où est l'entrée? Là-haut, au sommet de l'avant-poste. Mais Malcomud est très puissant. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons votre ancien. Et un magicien maléfique en moins. Oh, quelle chance, merci. Vous tous, arrêtez de paniquer. Des guerriers du solstice sont là pour tout régler. L'ancien va revenir. Malcomud ne va pas tous nous tuer. Ouais. Bon. Je vais vous laisser vous en occuper alors. J'ai beaucoup à apprendre ici. Avant poste des bâtisseurs. Et bah écoutez, est-ce qu'il y a un... Non, ça c'est bloqué, ok. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde dans les environs? Il y a tant à apprendre ici. Le moulin s'est arrêté de fonctionner après que Malcomud a bouché les tunnels devant. Il ne reste plus d'eau dans le puits. J'ai vraiment envie de prendre un bain. Allez-vous aux mines pour aider? Fermé. Bon, je vais aller là, je suppose que c'est une auberge. Ouais, ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Épisode un petit peu plus court que les deux premiers, mais bon, là on part sur, sur un possible donjon. Donc ça me paraît pas mal. Merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode de Sea of Stars. C'était le Gal 29 pour RPG Universe.